est merveilleux chez Dieu, c'est qu'il ne nous demande jamais de donner quelque chose qu'il ne nous donne pas auparavant. Il ne nous demande pas de pardonner avant de nous avoir pardonné. Il ne nous demande pas d'être miséricordieux avant de nous montrer sa miséricorde. Il ne nous demande pas d'aimer les autres avant de nous équiper de ce qu'il nous faut pour les aimer. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit quand nous recevons Christ comme notre Sauveur. Donc nous avons l'amour de Dieu et nous maintenant, il peut nous guérir et nous pouvons le donner. Mais nous ne ferons pas ça si nous n'apprenons pas à passer outre à nos sentiments. Je crois que nous sommes tellement adonnés à choyer et pomponner nos sentiments que nous ne comprenons même pas qu'ils sont un problème assez sérieux et que nous prenons toutes nos décisions d'après ce que nous ressentons. Je sais, comme je vous parle ce soir, que certains d'entre vous ont l'air de comprendre, mais que d'autres ont l'air... À quel point est-ce que vous laissez vos sentiments gérer votre vie? À quel point laissez-vous vos sentiments vous dicter votre humeur et votre façon de traiter les gens? À quel point est-ce que vous laissez vos sentiments vous dicter ce que vous dites? Oh, il y a quelqu'un là-bas qui a l'air d'avoir saisi celle-ci.